D'abord parce que c'est un stade qui a une histoire hein, depuis 1928, c'est un véritable monument qui s'est inscrit dans la vie parisienne, donc à la fois du point de vue immobilier, mais du point de vue de l'atmosphère du tournoi qui s'y joue. Et donc en 2019, on a la chance de vivre un moment tout à fait clé de la métamorphose du stade, qui est à la fois quantitative, l'espace, Gilles Jourdan vient de le dire, mais aussi qualitative. Et je crois que c'est une des préoccupations et un des objectifs de la fédération. C'est aussi un spectacle, le sport. Qu'est-ce que vous avez changé ici, dans le cours central, Gilles Jourdan ? On a changé 90% du cours, à peu près. On a l'impression qu'il est arrondi, avant il était carré. Alors, c'est vrai, les angles étaient ouverts, maintenant c'est fermé, donc comme un stade moderne. Mais surtout, bon, on a gardé les sous-sols, quelques tribunes, mais 10% des tribunes, tout le reste on a fait. Puis on a gardé... Siège en bois, nouveau siège en bois. 100% français, m'a-t-on dit quand je suis arrivé à 50 mètres. Oui, c'est du châtaignier des Vosges.